le vin allait de soi pour l'ensemble de la population française. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La première chose, c'est que le vin n'est plus un donné collectif qui va de soi. Il y a une forme de réappropriation en termes de bataille culturelle qui doit se faire. Et donc ça, je pense, c'est important de poser ce constat. À l'époque de Roland Barthes, qui avait notamment écrit le vin totem, eh bien, le vin allait de soi pour l'ensemble de la population française. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un simple chiffre, 16% des Français sont des consommateurs réguliers. Ça fait en vérité très très peu. La deuxième chose importante, c'est que malgré cette perte d'un signifiant collectif, ça ne va plus de soi, le vin reste encore aujourd'hui. Mais pour combien de temps ? Il reste encore quelque part la boisson totem des Français et des Françaises. Le vin reste encore quelque part, encore aujourd'hui, cette boisson, tout en ayant perdu de son évidence en termes de collectif et en termes de signifiant, si vous voulez.